Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à My Two Pony. Donc aujourd'hui on a pas mal de poneys, donc j'en ai eu pas mal. Donc du coup on va les poser tout simplement. Et puis au moins ça sera fait, donc du coup, hop. Ouais. Ah, c'est pour gagner qui là? Tu vois là on gagne encore un poney, on gagne que ça, de toute façon c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais. Donc, je vais voir ce qui c'est. C'est qui c'est. C'est encore une nouvelle? Non? Mais c'est qui qu'on gagne? Pourtant, je me souviens de ça. C'est peut-être. Non, je sais plus. Enfin bon, je sais plus du tout. Mais bon, voilà. On gagne des poneys, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a des poneys que je gagne. Du genre, tu vois, professeur. J'en suis sûr qu'on pouvait pas l'acheter avant. Donc, c'est-à-dire, on gagne des poneys qui étaient pas là avant. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc du coup, on va poser tous ces poneys. Oh non, on peut pas y poser. Ah, on peut y poser là. Ok, donc ça, c'est fait. Inventaire. On va poser lui, là. Allez, on va le poser où, là? Petit poney. Putain, vas-y. Vas-y, faut enlever tout ça, là. Casse-toi. Tu me saoules. Ah ouais, non mais attends, ils sont chiants. Bah, c'est un truc de fou. Attends, on va mettre l'inventaire, voilà, hop. Allez, un poney en plus, un. C'est quoi, on va ouvrir un petit peu là. Voilà. On va aller dans l'inventaire, on va prendre lui. Oh, mais nickel, mais c'est tranquille. Pas besoin de le poser, donc elle, je la pose. Là-bas. Voilà. Bah là, on est bien. Là, on est bien, du coup, on va aller à... Bah attends, juste avant, on va accueillir monsieur. Voilà. Ça c'est fait, donc du coup il y a monsieur et madame normalement. Normalement. Allez, qu'est-ce que tu fous là, putain. Ça met 2 ans là. Voilà, est-ce qu'il a 5 étoiles? Oh, il a pas 5 étoiles, on pourra jouer avec lui quoi. On pourra jouer avec lui. Non, j'y crois pas. Trop de délire. Bon, on va aller à Ponyville. Voilà, parce que là aussi on a des poneys. Hop, donc inventaire. Et hop, 3 poneys à mettre. Ouais, toi tu, je m'en fous. Non. Inventaire, donc Flim, ouais. Voilà. Hop, donc lui. Donc je mets, bon, son balistec, hein. Je mets un peu n'importe où. Donc inventaire, on va prendre lui aussi. Voilà, donc pareil, je m'en fous. Voilà. On va juste accueillir les deux poneys qui sont là. Donc normalement, là, il y a Flim et Flamme, c'est ça, hein. Mais bah, c'est bon, je l'ai accueilli. Allez. Midi, tu vas pas me saouler longtemps, toi. Bon. Voilà, ça c'est Flim. Et pourquoi il me dit jusqu'à Flamme, là, waouh. Bon, c'est pas grave. Normalement, il est censé avoir les deux, mais c'est pas grave. Du coup, l'autre, elle est où? Elle est là. Nickel. Bon, bah, c'est parfait, ça. Allez, putain, je vais cliquer dessus, wesh. D'accord, bon. Du coup. Je pense que là, on est bon. Il n'y a plus rien. Non, plus rien. Du coup, ce qu'on va faire, on va avancer le temps. Que ça, au moins, les autres seront là aussi. Et puis après, on va se faire quelques missions. Ouais, et du coup, Rainbow Dash, parce que j'ai fait quand même quelques missions. Du coup, Rainbow Dash est là maintenant. Rainbow Dash est là, et donc, du coup, bah, on va pouvoir peut-être faire quelque chose. Donc, on verra bien. Mais du coup, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que le temps est passé... On va pouvoir voir un peu tous ces poneys. Manoir du prince Blue Blood. Blue Blood. Ah, c'est Blue Blood. Comment il va, Blue Blood? Ah, là, on a les deux poneys. Bon. Putain, il y a le méchant. Maison de la garde royale de la princesse Luna. Bah, elle est toute pourrie, dis donc. Hein. C'est vraiment une maison de merde. Hein. Bon, jusque-là, on est bien. Ouais, petit à petit, on augmente, hein. C'est plutôt pas mal. Du coup, on va aller à Canterlot. On va voir qui c'est qu'il y a de nouveau. Voilà, donc il y a elle. Et normalement, je crois qu'il y a un autre poney aussi. Non, je crois que c'est Professeur, je crois. À part s'il est déjà là. Non, mais normalement, il y a quelqu'un d'autre aussi. Ah, voilà. Ah, lui, là. Ok, d'accord. Et le Professeur, il est déjà... Ah non, il est là. Bon, bah c'est nickel. Du coup, on a 3 nouveaux petits poneys, là. Nickel. Bon, alors. Hop.
Voilà. Ça, c'est bon, ça. Bon, on n'a toujours pas lui, hein. Lui, on l'a pas, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, il nous manque quand même pas mal de poney à voir. Faudrait que j'essaye d'avoir 90 gemmes pour la prochaine fois. Comme ça, on pourra peut-être acheter lui, du coup. Ça pourrait être pas mal. Bon, bah, petit à petit, hein. Petit à petit, on gagne, on gagne. Et bientôt, on aura tous les poneys. Bon, du coup... Ouais, du coup, on est obligé d'aller à Ponyville si on veut faire quelque chose. Du coup, on va aller à Ponyville et on va faire quelques missions. Alors déjà, on va commencer par elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça fait plaisir d'être de retour à Ponyville après tout ce temps. Mais que font tous ces nuages là-haut? Je vais m'en occuper de ça en... Ok, ouais. Ok, donc ça, c'est fait. Un petit looping, nanana, ok, d'accord. Allez, encore une fois. N'ayez crainte, mes amis, Rainbow Dash est là. Et maintenant qu'elle est de retour... Nous allons nous occuper une bonne fois pour toutes. Ouais. 60 fragments. Putain, dit, mais je les ai pas avant un petit moment quand même. Ouais, ouais, attends. Tu sais quoi, on va déjà en récupérer en faisant ça. Hop. Voilà. Ça, au moins, ça va être fait. Et déjà, on va en récupérer, à mon avis, entre 5 et 10. Ouais, un truc dans le genre. Ok, on verra bien combien on en a récupéré. Voilà, donc ça, c'est fait. Ouais, tu vois, donc environ 10 quoi. Du coup, c'est super de voir tout le monde enfin de retour en ville. Il ne nous reste donc plus qu'une seule chose à construire, la mairie. Et ouais, mais attends, ta mairie, mon gars, t'as vu combien elle coûte? Ah, laisse tomber. Avant de l'avoir, ta mairie, laisse tomber quoi. Oh, c'est super long. Bon. Oh non, les parasites sont de retour et en force. On ne peut pas les laisser saccager tous ceux... élimine les parasites. Ok, pas de soucis. Hop, allez, on élimine déjà ça. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça aussi. Attends, attends, viens ici toi. Voilà. Allez, celui-là, pourquoi pas. Nickel. Alors, Oura, tu es vraiment... Ouais, on s'en bat les couilles. Non, on s'en fout. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi, je voulais te dire que maintenant tout le monde est revenu. Non, jure, c'est vrai. Je pense que ce serait merveilleux d'ériger statut ce... Oh là 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 là. Ok, bah, pas de soucis. Nickel. Ah putain, du coup, il me reste ces deux trucs là à faire. Vas-y, elle me casse les couilles, ta mairie là, elle est trop chère. Ah, c'est vrai, sa mairie est trop chère, quoi. Oh là là. Oh, ah, c'est super chiant. Bon. Je sais pas quoi faire. C'est quoi? Non mais il y en a marre, il y a un moment il y en a marre. Moi j'ai envie d'avoir la mairie, tu vois. Du coup la mairie on va la voir. Si si la mairie on va la voir, c'est moi qui te le dis. Du coup je me suis mis 360 gemmes, tranquillou. Nickel. Ah ouais, non mais attends. Faudrait peut-être pas non plus me prendre pour un pigeon. Il y a un moment où ça commence à faire bien chier. Hein. Attends, on va la voir en deux secondes ta mairie mon gars. Ah ouais, non mais attends. Des fois faut prendre des grands moyens. Hein, parce que bon, il y en a marre. Allez, hop là, la mairie c'est fait. Chut, hop là, on avance un petit peu. Parce que sinon, après... Ah, mais elle a pas fini. Oh, putain, chier. Bon. Ok, bah, vous savez quoi? Je vais faire... bah, la mairie, elle sera faite, mais je vais faire les trucs de loyauté, là. Je vais récupérer tous ces fragments, et puis on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc du coup, hop, on récupère ça. Voilà, et puis on a fini, tranquillou. Voilà, donc du coup, on voit ce que ça donne. Attends, hop. On récupère le plus de choses possible. Voilà. Voilà, ok. Alors, du coup. Oh yeah, c'est comme ça se passe avec moi. Je ne serais pas tombé. Ok, ouais. Alors, du coup, juste... Voilà. Donc, du coup, ça donne quoi? Tous les aimants de l'harmonie sont réunis, ouais. Avec mes meilleurs amis à mes côtés et Ponyville reconstruite, nous pouvons désormais vaincre Namaimoon. Bah, Neymarmoon. Et quoi, j'ai même pas battu. J'ai rien fait. Ouais, ça doit être en activant les éléments, je pense. Alors, tu penses vraiment pouvoir me battre? Bah oui, on t'a battu. Vous ne verrez jamais plus votre précieux soleil. La nuit durera éternellement. Oui, tu te trompes, Neymarmoon. Nous avons réuni tous les fragments d'éléments. Tout à fait. Et on a aussi les esprits des éléments de l'harmonie juste là. Comment? Bah... on est bon, c'est tout, on est bon, voilà. Pose pas de questions. Les pierres d'harmonie sont activées et nous avons tous les esprits des éléments
de l'harmonie, mes meilleurs amis. L'esprit du rire, l'esprit de l'honnêteté. J'aurais dû mettre l'esprit de l'honnêteté, ta gueule. L'esprit générosité, t'en veux une. Et, l'esprit de la bonté. Tu es beau. Alors, l'esprit de la loyauté. Personne n'est plus loyal que moi, Loembodash. Avec les esprits de ces 5 poneys, nous avons réussi à reconstruire Poneyville et à repousser tes ténèbres. Mais il vous manque toujours le 6e élément. Eh ben non, parce que c'est elle. Faut maintenant que tous mes amis sont ici avec moi. Elles ont rallumé la flamme qui réside en nos cœurs. C'est cela qui a créé le 6e élément, l'élément de la magie. Juste comme ça, ça là, ce qui se passe là, ça se passe quand même au 2e épisode de la première saison. Donc vous imaginez bien un peu... Enfin bon, ça a un peu mélangé, parce qu'il y a des trucs qui se passent de la saison fin de la saison 3, et puis il y a des trucs qui se passent là, ici. Enfin bon, c'est un peu mélangé tout ça. Mais bon. Alors, bonté divine, est-ce que j'arrive trop tard? Tout le monde va bien, princesse Luna, il est temps de laisser nos différents côtés. Nous devions gouverner ensemble, petite sœur, acceptons... Quoi, petite sœur? Oh là là, mais c'est... vous êtes sœur? Eh bah oui, son sœur. Je suis désolé, tu m'as tellement manqué, nanana. Tu m'as manqué aussi. Bien, il me semblait que les choses... Toi, normalement, elle, là, elle fait quoi, sœur? Enfin bon, bah, normalement, les 6, même, crois qu'ils disent ça. Enfin bon, on s'en fout. Bien, il semblerait que les choses soient rentrées dans l'ordre avec Estria, grâce à mes meilleurs amis. Et maintenant, c'est tout. Et vous savez ce que nous devrions faire? Quoi donc, PewDiePie? Une fête. Ah, j'en étais sûr. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Bon, c'est fini. Salut. Ouh, on a Princesse Luna. Ça, c'est plutôt pas mal. On a Princesse Luna, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? La Princesse Cadence, la meilleure babysitter. Ouais, on va peut-être pas rester trop longtemps non plus. De tous les temps, est attendue ici. J'ai hâte de la voir. Cadence est belle, attentionnée et gentille. Seulement, voilà, on va pas non plus dire que c'est pas elle, mais bon, un petit peu. Voilà. Créer un drapeau pour la mairie. Et comment je... Ah, d'accord. Putain, vous faites chièche. Bon, on va mettre qui? On va mettre Princesse Luna, tiens. Non, attends, c'est pas elle. Attends, si. Je sais plus. C'est qui qu'elle a? Ok, c'est Princesse Luna. Donc, on va mettre Princesse Luna. Elle est où, Princesse Luna? Princesse Luna. Princesse Luna. Ah, elle est là. Attends. Pourquoi je l'ai... Enfin, Princesse Luna. Princesse Celestia. Mais pourquoi j'ai pas Princesse Luna, wesh? Bah, tu dis oh. D'accord, ils mettent pas Princesse Luna. Attends, je vais juste voir quand même, parce que... Ah, mais oui, il faut la cueillir, bien entendu. Allez, viens là, connasse. Alors, je rigole, perds pas. Ah, mais tiens, bah du coup, je peux mettre les deux. Eh ouais, non mais attends, c'est l'intelligence, ça. Non mais attends, tu vois, intelligent, mais oui. Si, sois pas jaloux. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre, les poneys vont pouvoir revenir comme le grand frère de toi. Ça, c'est déjà fait, mon petit. Voilà. Et franchement, on est en puissance, là, les gars. On se fait un max de choses. Et c'est fini. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Non, attends, on va juste faire ça, quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, maintenant qu'on a fini le drapeau, hop, on le récupère. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Attention. Attends, bon, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai besoin de ton aide. J'ai inventé la princesse Cadence à sortir, mais je veux être sûr de faire bonne impression. Je pense qu'au dîner romantique près de l'étang serait parfait. Et n'oublie pas les fleurs, mais va te faire enculer. Ah ouais, carrément, un étang de... Ok. Un bouquet de fleurs, où ça? Oh, parfait. Oh, on n'est pas bon, franchement. Non mais on prévoit tout, tu vois, on est comme ça, on est prévoyant, on est des fous. Allez, un petit étang, ça coûte pas très cher, voilà. Bon, j'avoue qu'on a un peu triché dans le jeu. On a un peu cheaté quelques gemmes. Mais c'est pas très grave. Hein, on en profite. Non, t'es sérieux là? Ah non. Ah non. Ah putain, tu es sérieux? Vas-y. Bon, à tout de suite. Voilà, là c'est déjà mieux. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux, toi? Tu sais quoi, la princesse Cadence et Shining Armor sont amoureux. Non! Putain! Moi, je pensais qu'ils voulaient se marier juste, tu vois, un mariage arrangé ou un truc dans le genre.
C'est le commencement du... Non, il s'aimait tellement... Oui. Oh putain, mais t'es sérieux? Oh, 5 étoiles à Shining Armor. Bon les gars, on va se laisser là, hein. Je ferai les 5 étoiles pour une autre fois. 5 étoiles. Ouais, bon, hein, c'est pas que bon, hein. Ils me cassent les couilles avec leurs étoiles, mon gars. Bon, alors t'es où toi? T'es là? Putain, t'as 0 étoile et je dois lui mettre 5 étoiles. Oh là 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 là. Bon, c'est pas très grave. Donc du coup, pour la prochaine fois, j'essaierai de gagner ce poney là. Bon, c'est un peu loin parce que déjà j'ai que 62. Donc chaud patate. Et puis bah, il faut avoir de la chance pour le gagner dans le dans les trucs des musiques là. Hein. Ouais, il faut vraiment avoir de la chance. Mais j'essaierai au moins d'avoir 90 gemmes, ce serait déjà ça. Et puis pourquoi pas gagner encore pas mal de poney. Hein. Bon, hier j'avais le temps, du coup j'ai pu faire pas mal de musique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui là j'ai pas trop le temps. On verra bien. On verra bien. Et du coup, bah voilà. Donc je pense qu'on va se terminer là. On va juste faire au moins un truc avec lui. Il est où? Il est là. Non, c'est même pas lui, tiens. C'est lui. Putain, mais ouais, il est nulle part lui. Normalement, il est dans la foule là. Il est où là? Oh! Ah, il est là. Ok, donc c'est ça son château? Ok, d'accord. Bon alors, c'est parti. Hop. Allez, on met un petit x4. Non, mais on est des fous, donc tu vois, on est comme ça. On met du x4. Il y a intérêt que ça fonctionne. Sinon, attention. Alors déjà, tu vois, ça commence mal. Allez, on va essayer de faire le meilleur score possible. Et au moins, on va se terminer là-dessus. Ce sera nickel. Ok, hop. Ça va, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. On a fini le game. On a fini le game. Et c'est plutôt pas mal. Vas-y, calme-toi. Calme. Oh, mais vas-y, je fais n'importe quoi. Non, allez. S'il te plaît, un peu mieux que ça quand même. Un peu de reconnaissance là. J'ai mis du x4, sale connard quand même. Hein. J'ai utilisé 5 gemmes pour ta merde. Oh, mais tu te fous de ma gueule en fait. Vas-y, va te faire foutre. Non, c'est bon, tu m'as saoulé. Non, mais tu m'as saoulé avec ta connerie là. Non, mais c'est bon, moi je suis énervé. Voilà, non, je suis énervé. T'as gagné, je suis énervé, sale connard. Culé de merde. Vas-y, m'as saoulé. Non, mais 300 et quelques là. Mais attends, j'ai utilisé 5 gemmes pour avoir 339. Tu te fous de ma gueule un petit peu quand même là. Non, mais attends. Ah, c'est pas possible ça, c'est pas. On lui fait la moitié? Oh putain, il va être simple à faire lui. Non, ici, à la première étoile, on lui fait la moitié en seulement 300 et quelques. Quoi qu'il y avait du x4 aussi. Hein. Putain, c'était pas en x2. Ouais, enfin, du coup, j'en sais rien. Bon. Voilà, donc du coup, bah, je ferai ça pour la prochaine fois. Je ferai 5 étoiles à ce monsieur là. Et puis, bah, j'essaierai de gagner lui là. Ça pourrait être pas mal. Et puis voilà. Bon. Bah voilà, donc du coup, bah. Ça sera tout pour cet épisode. Et on verra la suite demain. En espérant que demain on ait ce qu'il faut pour le mariage. Ça pourrait être pas mal, franchement, ça pourrait être pas mal. Et puis voilà. Donc bah, je vous dis à demain. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis je vous dis ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao!